Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, pose de film de protection solaire sur un coupé. Donc, avant la pose, j'ai prédécoupé le film au gabarit exact de la vitre. Donc là, il est posé à l'extérieur, tel quel, donc il n'est pas encore thermoformé. Thermoformé, c'est simplement donner la forme au film avec un décapeur thermique. Donc on voit ici ce qu'on appelle des tubes qui sont faits naturellement de par la forme galbée de la vitre. Donc thermoformé va consister à enlever ces tubes, ces plis à chaud. Donc ce sera donc la première étape du travail de pose de film de protection solaire. Donc on va poser comme ça. Je vais vous expliquer le principe simplement en le faisant. Donc les plis se sont répartis naturellement, le but étant de les répartir à peu près équitablement sur la largeur, donc humidifier pour que la raclette glisse au mieux. Et une fois que ces tubes sont répartis, on va les chauffer, on les fait réduire. Donc à chaque passage, le film va se réduire de moitié et va se décaler sur la partie ou droite ou gauche, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plis. Donc voilà, là il réapparaît à côté, un peu plus petit. Voilà. Donc pour info, le décapeur est à 350 degrés. Point important, le film se thermoforme uniquement dans un sens, c'est-à-dire quand vous déroulez votre rouleau, les tubes vont être ou en haut ou en bas, mais jamais sur ce côté. Donc pour la technique, voilà, donc je vais terminer gentiment et puis je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, donc le film est thermoformé, la vitre est bien nettoyée. Par contre, sur les coupés, donc on n'a pas de montant de structure autour de la vitre. Il faut bien faire attention, car trois quarts du temps, quand on ouvre la porte ou quand on referme la porte, la vitre remonte. Du coup, si je dois faire la pose de film, il faut que j'y fasse attention. Car comme vous allez le voir, en verrouillant, en faisant croire à la porte qu'elle est verrouillée, voilà, la vitre remonte de quelques centimètres. Donc du coup, c'est important de travailler en position haute. Des fois, ça se passe ici. Des fois, c'est un petit bouton qui fait un peu comme dans un frigidaire. En fermant la porte, la lumière s'allume. Et ben, s'éteint. Et ben là, c'est pareil. En fermant la porte, la vitre remonte. Donc bien vérifier ça. Ensuite, bien nettoyer la vitre. Donc c'est ce que j'ai fait auparavant. Et ensuite, puis vérifier la solution qui va permettre au film de glisser pour pouvoir le poser idéalement sous le petit joint en caoutchouc qui est là. Voilà, on n'hésite pas à mouiller, protège les parties à protéger. Donc là, je suis en train d'enlever la pellicule transparente de protection sur le film. Voilà. Et maintenant, super délicatement, sans toucher le film, au cas où j'humecte mes doigts, pour ne pas laisser de trace, mais le but est de ne pas le toucher du tout, et de venir le positionner à l'intérieur. Donc si ma solution est assez grasse, donc assez de savon dans l'eau, ça me permet de faire glisser le film pour le positionner, comme je le disais tout à l'heure, sous le joint en caoutchouc.
ça devient bon. Voilà, maintenant que le film est posé précisément, idéalement il faut laisser un petit millimètre de retrait pour éviter qu'au toucher, quand les gens prennent la vitre en main, surtout qu'il n'y a pas de structure autour, éviter d'arracher le film. Donc voilà, et maintenant avec une raclette, on va faire comme Valérie Damido, on va maroufler. Tout de suite. Et voilà. Donc j'ai marouflé, c'est-à-dire que j'ai vraiment évacué toute l'eau qui pouvait y avoir entre le film et la vitre. J'ai séché le tour. Et donc on voit qu'il y a une petite marche de sécurité qui se voit un peu de l'intérieur, mais qui de l'extérieur passe vraiment inaperçue. Donc voilà, alors on a une teinte très très claire, forcément avec la nouvelle législation, ça ne veut pas dire que celle-ci est homologuée. Et voilà, un rendu très naturel. Soupçonne même pas l'ajout d'un film. Vraiment content. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. À bientôt. Bye.